L'oreille brisée et en plan, dans le désespoir j'ai lancé un appel à l'ange en vain. Il me répondit en cadencé, séduit parce que l'ange me disait. Je finis par demander qui es-tu. L'ange du Burkina écoutait et il m'avait très bien entendu. Ange du Burkina, c'est l'alliance de la nouvelle génération. Du Burkina en toute conscience, du Faso et de toutes les nations. C'est alors que je compris qu'il s'agissait de toi et moi. L'ange du Burkina, c'est vous, c'est lui, c'est chacun dans la confiance en soi. Alors un grand espoir renaît, venait le moment de la restauration. Requinqué et fort du soutien de l'ange de notre nation, je priais vivement la retraite de l'ancienne génération. Place à la jeunesse bien faite pour que se poursuive la construction. Génération bien montante, nouvelle et très consciente. Après le détournement de l'insurrection, l'intelligence collective est en action. Il nous faut sceller une alliance bien plus que patriotique, afin que par une belle ambiance, nous saisissions les leviers du leadership. Pour notre salut, c'est un impératif. Plus de temps pour être dubitatif. Il faut seulement être très actif et être vigilant contre les fautifs. C'est le temps du mouvement yangdisme qui vient pour booster l'éveil des consciences. Un concept contre tout conformisme, venant sonner le réveil des instances pour rendre hommage et en mémoire de tous nos vaillants martyrs tombés face aux malheureux déboires. Sous les coups, les balles et les tirs, avec l'ange du Burkina, rassemblons les enfants du Faso. Ici c'est chez nous, Burkina, en Bekasso, notre Faso. Appelle à l'ange, appelle à l'ange, appelle à l'ange.